le pauvre. Sois sympa. Évite de ressusciter. j'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui, écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà partie d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. Tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère? Sois prudent. Ils vont être après toi. Maintenant, ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais, tu as raison. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Ah, c'est ça. Ça dérange. J'emprunte maman juste une minute. Reste pas planté là. Fais quelque chose. Éteins au secours. Merde. D'ici! Nice. Te voilà. Ah. Merde! Oh mon Dieu! Dis, foutre le camp! C'est à moi! Je vous ai dit de ne pas s'approcher d'ici. Ça doit être ça. Alors, t'as trouvé le Spérov? Je viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. Je suis désolé. Et pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Ça peut pas être ça. Une tête? Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le bras. T'as exploré toute la maison? Non, pas encore. Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le et rejoins-moi à la caravane. Oh la vache. C'est spécial.